bien... Je crois que vous avez trouvé. Je pense que je peux pirater le système de sécurité d'ici et ouvrir le conduit de ventilation pour vous. Ça ne prendra qu'une seconde. C'est un pirate informatique. Tu vas te faire arrêter pour cela. L'écoutille est ouverte. Voilà votre accès, maraudeur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les conduits d'aération? Eh bien... J'en étais sûr. Je vous pose la question. Il n'y a plus de courant. Vous devrez trouver une pile sur un des gardes pour rétablir le courant. Mais je ne sens aucune vie humaine à l'intérieur. Quoi? La pile bouge. Trouvez-la. Sans courant, la moitié de cette base restera verrouillée. Et sans cette pile, nous n'aurons pas de courant. Oh mon Dieu! Mais dépêchez-vous de trouver cette pile, connard de maraudeur! Nous allons bientôt découvrir... Sur quoi se promène... Oh, cette petite pile... Ça y est, je commence à me faire peur. Alors que ce sont des petites choses insignifiantes pour moi, maraudeur. Voilà, hein, je suis un grand fou, j'y vais au tir maximum. Et voilà, hein, toi tu fais chier. Mais viens là, oh! Toi, tu m'embêtes pas longtemps. Vous devez placer la pile dans chaque générateur pour le réamorcer. Après, activez l'interrupteur de l'autre côté de la pièce et nous aurons rétabli l'alimentation dans la base. C'est un bon début. Occupez-vous des autres générateurs. Je sais même pas ce que je chantonne, mais c'est pas grave. Oui, alors on évite de tabasser la touche espace. Oh! D'autres candidats au suicide? Non? Mais tant mieux. Maintenant, allez à l'interrupteur et rétablissez le courant. Lol. Aller-retour, aller-retour. Merde. J'espérais que ça n'arriverait pas. Surcharge du générateur. Deux viennent de lâcher. Dommage. Un peu d'énergie, c'est mieux que rien du tout, j'imagine. Bah, c'est sûr que maintenant je peux couper ma torche pendant un petit moment. C'est dommage que ça fasse pas comme dans Slenderman, c'est-à-dire que la lampe torche est une batterie limitée. Bande d'abrutis! Ah, aussi les blasters, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour éviter de vous faire tirer dessus, je crois. Ça les annihile complètement. Notre seule issue, c'est le hangar principal. Oh, il y a du monde depuis tout à l'heure. Coucou! Je vais pas gâcher mes précieuses munitions pour un imbécile de tigre cracheur qui arrive même pas à savoir où je suis. Mon Dieu, que c'est magnifique! J'espère que vous me pardonnez encore une fois pour ma longue absence sur YouTube. Voilà. Comment annihiler des blasters? Comment make... How to make blast on a blaster? This is the secret of the Marauder. Deux de tension. Deux de tension. Et puis, bah, dans la base aussi, il y a deux de tension, j'ai envie de dire. Il y a quelques passages qui sont complètement horribles. Horriblounets. Je ne vois plus, mon... Non! Toi, tu meurs parce que t'es trop bête. Je ne voyais plus mon viseur. Bon, ici, il n'y a rien. Ici... Il y a quelques munitions de... Oh mon Dieu! Mais comment sont-ils arrivés là? Ça me fait froid le dos, mais... Les casiers des soldats sans pratique. C'est tout! Oh! J'en ai marre! C'est assez, dit la baleine. Au cachant l'autre, il écoutait. Pourquoi?
Ces salles disposent d'un système de verrouillage de sécurité qui bloque toutes les portes tant qu'il y a des arachnides. Comment une espèce dont le QI est de 35 peut-elle coloniser des planètes? Nous sommes venus ici pour le découvrir. Alors ici, j'aimerais bien le tuer, celui-là, mais tant pis, je suis aussi. Parce que je les déteste. Alors là, j'ai trouvé quelques munitions. Nous allons pouvoir nous lancer. Un grand cri danse. Dans cette mission. Bonjour messieurs. Ah messieurs, on ne sait même pas si vous avez un sexe ou les parasites. Ou alors le pire là-dedans, c'est qu'il vous envoie des blasters en même temps. Et oui, je n'ai pas d'escateur encore une fois. Non, meurs. Mourez tous. Mourez tous. Mourez. Non, j'ai plus assez pour faire un big blast hier. Ah, mourez. Ouais, non, allez, j'arrête de faire le con parce que là, c'est bon. Oui, en mode sniper, la cadence de tir est réduite, mais votre précision est améliorée de 100%. Là, je me montre. Je sais rien du tout, et je m'en fiche. Oh mon dieu, mais c'est que je me fais tirer dessus. Ouh, c'était chaud. Tu ne sais pas viser, tu ne sais pas viser. La 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 la. Voilà, je voulais entendre une magnifique bouillie de fusil. Maintenant prenez l'ascenseur, il devrait vous emmener au hangar. Alors, excusez-moi pour cette attente longue de 15 secondes. Voilà, je m'abouche le nez parce que je suis enrhumé. Allez hop, c'est parti pour la suite des aventures de M le Maraudeur. Parasite éliminé. Ouverture en cours. En gros, c'est ce que la pétasse dit dans... Quand vous êtes prêt. Alors, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu ici que je ne me souviens même plus de ce qu'il faut faire. Déjà, ça me saoule. Merde. La porte du hangar est fermée. Nous devons trouver un autre accès. Il y a une deuxième salle d'observation parallèle à la première. Allez-y. Alors ici, si vous vous précipitez comme un dingue, vous allez tomber directement dans l'ouverture et vous allez crever comme un abruti. Voilà. Moi, je suis pas aussi bête que ça. Oui. Bien envie de lancer une petite grenade pour vous montrer de quoi je suis capable. Alors ici, j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans ce conduit, puis malheureusement j'y ai été forcé. Je sens que je vais mourir. Non, je ne veux pas mourir, non! Défense de rire et défense de pleurer! Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser! J'ai encore tellement de choses à accomplir dans ce walkthrough! J'ai presque réussi à faire ce jeu sans mourir! Pourquoi mourrais-je maintenant? Pourquoi? À cause d'une saloperie de petits blasters! Vous avez pris votre temps? Maintenant, allez dans la salle de contrôle et ouvrez ce hangar. Ah ok. Bon bah en fait, c'est tout facile. Vous n'avez qu'à passer au travers de cette clôture électrique. Ah sauf que là, ils ont planté. Tant pis. Ah, dame. Je savais même plus que ça existait, cette touche. Bon, tant pis. Alors, nous revoici, nous revoilà. Ici. Non, c'est toujours la même. Non, c'est plus la même salle, dommage.
Enfin bon, j'ai vu des éclairs bleus là, j'ai cru que c'était les blasters qui tiraient du plasma, mais ce n'est pas grave. Car, eh bien, j'arrive déjà à la fin de ma vidéo, je crois bien. Petit bonjour, ici que... Maintenant, faites demi-tour et retournez au hangar, c'est notre voie de sortie. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton et suspense, que va-t-il se passer dans notre prochaine vidéo? Eh bien, c'est dans la prochaine vidéo, justement, que vous le découvrirez. Si vous êtes des fans suiveurs de mes vidéos, que vous aimez mon sens d'humour, si on peut appeler ça un sens d'humour. Et je vous souhaite bonne journée à tous et à la prochaine.